Allô? Rose-Marie? Fabienne? Ah, ne vous en faites pas, je vais vous sortir de là. Je n'attends plus rien de vous. Plus maintenant. C'est clair pour moi que vous êtes incapable de tenir votre part de l'accord. Fabienne, je vous prie de me croire. Je vais vous sortir de là, mais il me faut un peu de temps parce que... J'essaie d'être prudente. Je ne peux pas placer si facilement ma confiance en d'autres. Et l'argent? Vous avez dit qu'Agatha était celle qui avait pris l'argent. Le lui avez-vous repris? Pas encore. Parce que... il est chez Rocco Fernandez. Est-ce exact? Rocco? Il est venu ici me voir. Il s'est même vanté devant moi d'avoir fait sauter le Paraïso. Et c'est lui qui a pris mon argent. Quoi? Je n'avais aucune idée de ça. Et cela expliquerait-il votre soudain intérêt pour lui? Ne m'avez-vous pas interrogé sur l'enfant de Lorraine Fernandez? Rocco a-t-il voulu vous parler? Travaillez-vous ensemble maintenant? Pas du tout. Je suis désolée. Je vais admettre quelque chose pour vous. Il est venu me voir et il s'est vanté d'avoir réussi à survivre. Même si on l'avait avorté. Et comme pour vous, il était si fier. Mais c'est tout. Je n'ai rien de plus à faire avec lui. Et vous devez me croire. J'espère que c'est vrai. Vous savez comment je peux être, Rosemary. Ma déclaration peut changer n'importe quand. Je peux dire aux autorités tout ce que vous avez fait au Paraïso. Fabienne! Réfléchissez-y. Mon problème n'est rien comparé à ce que je peux vous faire et à votre famille, une fois que Greg et moi serons dehors. Fabienne, ne vous en faites pas. Je ne travaille pas avec Rocco. Croyez-moi. Et je tiendrai ma part de l'accord. Je vous sortirai de là. Laissez-moi un peu plus de temps. Nous verrons. Mais n'attendez pas que je trouve par moi-même quelque chose pour sortir. Ça ne vous plairait pas du tout. Oh, allô, Fabienne? Fabienne? Patron, voilà les gosses qu'on va vendre. Très bien. Ok, venez. Je crois que t'as pas mangé. Rocco. Je pense qu'on devrait arrêter. Le NBI nous a à l'œil. Enfin, on a déjà un paquet d'argent. On peut fuir dans un autre pays. Commencer une nouvelle vie. Quoi? T'as fini avec le Paraïso. T'as pris tout leur argent. Tu les as fait arrêter. Tu as vaincu Fabienne. Sarah, ce n'est pas assez. Je veux montrer à Fabianne Solomon que je suis mieux que lui. On va faire prospérer notre affaire. Elle sera même plus belle que le Paraïso. Sois juste un peu patiente. On a juste deux problèmes là, Sarah. C'est Erika et Jolo. Rocco, je suis juste inquiète pour toi. Tu es la seule famille qui me reste. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Sarah, il ne va rien m'arriver. D'accord? Et je ne laisserai rien t'arriver, je te le promets. Tout ce qu'on a à faire, c'est éliminer quiconque se trouve encore sur notre chemin. Je vais emmener Erika et Jolo dans notre province. On y a un cottage. Ils y seront bien. Je pense que personne ne pourra nous suivre là-bas. Bruce et moi, on va aller avec eux. Ce sera mieux pour Jolo que sa famille et des gens qu'il connaît soient avec lui. Erika, est-ce que tu es sûre de vouloir faire ça? Dois-tu vraiment partir? Je dois penser à la sécurité de mon fils. Je dois le protéger. Prends soin de... grand-mère Ligaya? Oui, bien sûr. Et aussi prends soin... de Carrie. Merci, Samuel. Allons-y, Jolo. C'est grand, n'est-ce pas? Maman, dis-moi qui sont ces gens. Oh, chérie, ce sont les officiers de police envoyés par Monsieur Marciano. Ils sont là pour veiller sur nous. Tu te rends compte, Jolo? On a nos propres gardes. Samuel, je tiens vraiment à te remercier de nous accueillir ici. Tu es sûr que ça ne dérange pas tes parents? Oui. Je leur ai déjà parlé de ça. Je ferai n'importe quoi pour Erika comme pour Jolo. Merci beaucoup. Chérie, il y a une piscine par là. Oh, allez, Jolo, allons nager. Et moi, je vais prendre vos affaires. Et Erika va à l'intérieur. Oh. Ah, attendez, je vais vous aider. Bien, j'espère vraiment que ça aidera. Erika et Jolo. D'après ce que m'a dit Samuel, c'est calme là-bas. C'est bien, car Jolo va enfin pouvoir récupérer. Oui. Quoi? Te souviens-tu de ce que je t'ai dit avant? Qu'une fois qu'on aurait retrouvé Jolo, je ferais quelque chose? Que... tu me courtiserais? Tonio, tu veux le faire maintenant? Est-ce que tu veux bien? Je ne sais pas. On verra. Carrie, on s'en va? Tonio, tu as un problème? Non, monsieur. Ok, allons-y. Viens. Je vais chercher mon sac. Allons-y, Tonio. Ne t'inquiète pas. Je parie que Jolo va vite s'habituer à cette maison. Regarde ça, c'est tellement beau. Tu vois ça? Tu sais, avant... quand Bruce faisait une blague, ça faisait rire Jolo. Mais tout ce qu'on a maintenant, c'est juste un tout petit sourire. Tu ne devrais pas trop t'en faire. Je suis persuadée que l'heure viendra très bientôt où il aura oublié tous les traumatismes qu'il a vécus. Et nous serons tous là pour l'aider. Pour lui faire comprendre qu'il est en sécurité à présent et qu'il ne doit plus avoir peur. Dis-toi que plus tard... je te le montrerai, d'accord? Notre départ, ça ne va pas être la fin. Un jour viendra où il devra témoigner pour que les gens qui l'ont enlevé soient arrêtés. Tout ce qu'il nous faut, c'est un peu de temps. Pour nous, les mères, même quand nos enfants sont devenus des adultes, c'est naturel qu'on continue à vouloir être là pour les protéger. Peu importe ce qu'ils ou elles deviennent. Tu penses à Agatha ? Maman, t'as pas à te faire de reproches. Tout ce qu'elle a fait était sa propre décision. J'en suis consciente. Mais Erika, j'espère que tu comprendras que je ne peux pas envisager d'abandonner Agatha. Tu sais, au fond de moi, je crois toujours qu'elle est encore une bonne personne. En dépit de ses erreurs, en dépit des mauvaises décisions qu'elle a pu prendre, je continue à avoir confiance. Je crois que je peux encore tout arranger, en lui montrant que je l'aime de tout mon cœur. Agatha, est-ce que tu peux aller voir Erika? Laisse tomber. Pam m'a dit qu'ils ont plié bagages et filé. Ils sont sûrement allés se cacher. Alors trouve où ils se cachent. Attends, c'est tout ce que je peux faire pour toi? Juste espionner? Pourquoi tu me donnes pas un truc plus important à faire? J'ai remarqué que tu laissais toujours Sarah parler aux clients. Ceci est un problème plus gros. Laisse Sarah gérer ce genre de boulot, ok? Tu sais, je peux faire absolument tout ce qu'elle fait, et plus encore. J'ai toujours un coup d'avance sur elle, Rocco. Une fois qu'on aura réglé ce problème, je te laisserai parler à nos clients. Ça te va comme ça? Ouais. Tu devrais plus te fier à moi, tu sais. Et crois-moi, je vais t'impressionner. Très bien. Ok. Tiens-moi juste au courant. Bien sûr. Patron. Quelqu'un suit Agatha. Je veux que tu t'en occupes. Bien sûr, patron, j'y vais. Allez, vas-y. Votre voiture est prête, madame. Attendez, j'ai oublié quelque chose. Attendez-moi ici. D'accord, madame. N'essayez pas de jouer au héros. File-moi l'appareil. Allez, file-moi l'appareil. Chérie, ta grand-mère a cuisiné ton plat préféré pour le dîner. Du poulet rôti. Mange. Allez, je te sers. N'oublie pas le ketchup, hein. Allez, mange un peu. Est-ce que c'est bon? Alors c'est bon? Hein? Oui, c'est très bon. Top là. C'est pas du tout comme la cuisine de Tante Teddy, parce qu'elle met toujours beaucoup trop d'épices. Même si papa lui dit que j'aime pas trop quand ça pique, mais elle le fait quand même. Chérie, combien de temps t'es restée chez ton papa? Ça fait très longtemps. Sarah, c'est celle qui m'a emmenée là-bas. Attends, Sarah? C'est elle qui t'a enlevée? Hey, c'est vrai, Jolo. Tu te souviens? On jouait à cache-cache quand tu as disparu. Je me souviens que je suis allée me cacher dans la maison de Sarah. J'ai dormi un peu et puis il y a eu cet homme qui m'a emmenée et m'a enfermée quelque part dans une pièce vraiment petite. Si Sarah est celle qui l'a pris et qu'elle est allée voir les Solomon, ça ne veut pas dire que Sarah fait partie du Paraïso? Peut-être bien. Et elle s'est probablement enfuie quand le Paraïso a explosé. Chérie, tu te souviens de la dernière fois qu'on était ensemble? C'était à la très grande maison qui était en feu. Oui. Est-ce que t'es sortie tout seul? J'ai essayé de m'en aller, mais j'ai pas réussi à trouver par où sortir. Et comment Sarah t'a pris? Je m'en souviens vraiment pas quand je me suis réveillée. Je me suis retournée encore dans une petite pièce. J'ai vu Sarah en train de parler avec un homme bizarre. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas? Rien. Ils m'ont tous laissée juste là, dans cette petite pièce. Et puis Sarah est venue et m'a emmenée. Elle disait qu'elle allait me ramener chez toi, maman. Mais elle m'a emmenée chez papa à la place. Sarah et ton papa sont deux bons amis? Est-ce qu'ils se voient souvent? J'ai seulement vu Sarah et papa ensemble une seule fois. Tu sais, j'étais toujours dans la maison avec papa et tante Eddie. Et comment tu étais quand tu étais chez eux? Tu étais bien? Quand papa était à la maison, je me sentais bien. Mais quand il n'était pas là, j'avais vraiment peur de tante Eddie. Jolo, pourquoi tu avais peur? Parce que tante Eddie se fâchait toujours contre moi. Et pourquoi elle se fâchait comme ça? Elle me criait toujours dessus. Et puis quand je faisais une bêtise en nettoyant la maison, elle me punissait toujours. Et elle me disait tout le temps que j'avais pas le droit d'avoir à dîner. Tout va bien. Elle n'est plus là. Eddie n'est plus là, Jolo. Et maintenant, tu es là avec nous, d'accord? Tout va bien. Ne pleure pas, chérie. T'es avec nous, maintenant. Elle ne peut plus te gronder. Ne t'inquiète pas, t'es avec maman. C'est vraiment Sarah qui a pris Jolo. Il va falloir qu'on le dise à Monsieur Marciano. Et ce Eman. Chut. Je veillerai à ce que lui et son immonde bonne femme payent pour tout ça. Il m'a enlevé Jolo et n'a même pas essayé de le protéger des saletés de cette femme. Ils ont eu le culot de... Tu sais, à mon avis, il n'y a qu'Eman qui voulait avoir Jolo. C'est pour ça qu'ils se disputaient tout le temps. Ah, mon Dieu, ça me rend tellement furieuse ce qu'ils ont fait à Jolo. Bonté divine. J'étais prête à vendre mon âme pour trouver mon fils, mais son père, il n'a rien fait pour le protéger. Ça suffit, Erika. Jolo pourrait entendre ce que tu dis. L'important, c'est qu'il soit ici maintenant. Et on va faire tout ce qu'on peut. On va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour lui faire oublier ce qu'il a vécu. Et pour qu'il redevienne joyeux. Maman, je pense pas pouvoir jamais leur pardonner ça. Erika. Je sais à quel point c'est dur pour toi. Mais je suis persuadée que tu surmonteras ça. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu es une mère. Et depuis toujours, une mère est forte. Parce qu'elle doit supporter toutes sortes de douleurs. Dès l'instant où elle donne la vie. Dès que les enfants sortent de notre ventre, les pires angoisses nous assaillent, mais ça s'arrête pas là. Car nous savons toutes que, quand ils grandissent, nous devons encore être là pour eux. Dans toutes leurs batailles, dans tous leurs combats, nous sommes toujours là. Nous restons à leur côté pour les protéger des tempêtes qui peuvent souffler sur leur vie. Erika, c'est notre force à nous. C'est ainsi que sont faites toutes les mères. Et puis... Tu veux connaître une autre raison? Pourquoi je sais que tu surmonteras tout ça? Parce que réfléchis. Tous ces kidnappeurs, ces gens que tu as combattus pour sauver Jolo, tu as réussi à ce qu'ils aient vraiment peur de toi maintenant. Je sais vraiment pas comment j'ai réussi à faire ça. C'est simple. On ne devrait jamais défier la résolution d'une mère. Car elle est déterminée à se battre pour le bien de ses enfants. Devant toi, tu peux y arriver. Maman, est-ce que tu peux fermer les yeux? D'accord. Je t'aime, maman. Celui qui suivait Agatha, c'était un détective privé. Tu es sûr que c'est tout ce qu'il avait? Ouais, c'est tout ce que je lui ai pris, ouais. Bon boulot, Ben. Alors, comment vont les affaires? Tu t'es assuré que tu n'avais pas été suivi? Évidemment, toujours. Et c'est quoi, ça? Attends, tu m'as fait suivre? Moi? Non. Non, c'est ton père. Il a engagé un détective privé pour surveiller tes moindres gestes. Quoi? Alors il est évident pour nous que ta famille ne te fait absolument pas confiance, pas vrai? Et on fait quoi maintenant? Ils savent sûrement déjà où on est. Je te parie qu'ils l'ont même signalé. Il n'y aura pas de signalement s'il n'y a pas de détective. Le privé a disparu, Ben s'en est occupé. Maintenant, ce que tu dois faire... c'est être prudente. Ne baisse pas ta garde. Du nouveau sur Erika? Non, pas encore. Elle se cache toujours avec Jolo. Ça veut dire qu'on doit trouver quelque chose pour faire sortir Erika de sa cachette. Rocco, tiens. Prends 2 comprimés et la douleur passera. On devrait pas l'emmener à l'hôpital? On peut pas. Ses migraines, il les a depuis qu'on est tout petit. Ses pilules lui suffisent. Je pense pas que ce soit une simple migraine, là. On devrait appeler Rosemary. Je viens de parler à Marciano. Ils n'ont obtenu aucune information de l'acheteur de Jolo.